Fidèle à son habitude et fort de son nouveau statut de premier adjoint en charge des questions économiques à l'agglomération de Saint-Quentin, le maire d'Elancourt, l'UMP Jean-Michel Fourgous, a mis l'accent lors de son discours pour la nouvelle année sur les entreprises, saluant le travail de ses dirigeants face aux choix jugés mauvais du gouvernement. Un discours également empreint donc d'inquiétude avec la chute des dotations de l'État. 3 millions d'euros en moins et c'est le projet d'aménagement de la colline d'Elancourt ou encore la rénovation du gymnase Lionel Terray qui sont gelés. François Hollande, plus qu'égratigné, avec une nouvelle charge contre les rythmes scolaires, mesure coûteuse et inutile selon le premier magistrat de la ville. Lui qui préfère rappeler les efforts réalisés à Elancourt pour le développement du numérique entre TNI et tablettes. Pas d'annonce à proprement parler pour cette nouvelle année, mais un souhait exprimé à la fin de la cérémonie, faire d'Elancourt un modèle d'innovation et d'exemplarité.